Meghan Markle et le prince Harry pourraient être contraints de faire les choses à la manière de Netflix, car leur accord avec le service de streaming repose désormais sur la performance de leur autre projet annoncé, a affirmé un expert en marketing. La semaine dernière, il a été signalé que Netflix avait constaté une baisse du cours de l'action du service de streaming après que la société ait raté ses estimations de croissance des abonnés. À la suite de ce déménagement, Netflix a supprimé plusieurs émissions, dont un projet créé par Meghan Markle et le prince Harry. Le couple a signé un accord avec Netflix en septembre 2020 qui les a vus s'engager à créer un contenu qui informe mais donne aussi de l'espoir. Dans une annonce, le couple a déclaré avoir deux projets en cours. La première, intitulée Art of Invictus, est une docu-série qui suit les concurrents qui ont participé aux Jeux Invictus de cette année. L'événement sportif pour les militaires blessés et malades a été lancé par le duc de Sussex en 2014. Cette année, les Jeux ont eu lieu à La Haye après avoir été reportés deux fois auparavant en raison de la pandémie de COVID-19. Le deuxième projet était une série animée appelée Pearl suivant une fille de 12 ans qui trouve l'inspiration dans une variété de femmes influentes à travers elle histoire. Cependant, il s'agissait de l'un des nombreux programmes supprimés par Netflix et il y a des spéculations selon lesquelles d'autres projets pourraient également être sur le bio si les difficultés financières de l'entreprise se poursuivent. Malgré la suppression de l'émission, Netflix a déclaré que Warshawell Productions reste un partenaire précieux et qu'ils continuent de travailler ensemble sur plusieurs projets. Cependant, des inquiétudes ont été exprimées quant à la longévité de l'accord de Meghan et Harry, car aucun détail n'a été donné sur d'autres projets qui pourraient être en cours.